Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est 9h23. Je dézoome pas. Voilà, alors j'ai le week-end, il s'est pas passé grand-chose. On va commencer dans l'ordre habituel. Je vais essayer d'éviter de me tasser. Après, j'ai une position bizarre sur ma chaise. Le week-end, il s'est rien passé d'extraordinaire. Je vais me faire un petit moment cocooning avec vous. Je vais commencer avec le petit gommage, la nana de chez Révolution, aux enzymes, le gommage enzymatique. Moi, il s'est rien passé d'incroyable. Chérie a été travailler chez sa sœur, faire les travaux chez sa sœur. Samedi, dimanche, j'ai fait deux siestes. Je me suis levée super tôt. Ah, c'est quoi? Le chien m'a réveillée à 6h, un peu avant 6h, je crois. Donc du coup, comme j'étais fatiguée, j'ai été faire une petite sieste le matin. J'en ai refait une petite l'après-midi. Entre-temps, j'ai tourné la vidéo que vous aurez vendredi. Donc je ne vous spoil pas parce que je ne suis pas entièrement satisfaite de ce que j'ai fait. Mais j'étais dans le délire et j'avais envie de le faire. Donc je l'ai fait, tout simplement. Voilà. Mais je ne vous spoil pas. Vous aurez la surprise vendredi à 18h. Ouais, parce que j'ai une semaine d'avance de vidéo. Sauf que là, je ne vais pas pouvoir tourner pendant 2 jours parce que je suis de garde. Je dois m'occuper des enfants de mon frère aujourd'hui et demain. Et je dois courir en fait parce que je dois emmener les petits, donc les jumeaux, le matin à 8h30 à l'école. Ils finissent à midi parce que comme ils sont en plein CEB, ils finissent à midi. J'ai du tout partout. Donc je vais aller les rechercher à midi, mais entre-temps, je dois attendre que ma nièce, une des deux plus grandes, me téléphone. Et demain, ça sera l'autre, de toute façon. Pour me dire qu'elle a fini son examen, que je peux aller la chercher. Donc, qui est dans la classe de Georges. Hein, mais Georges, il va manger une frite avec ses potes après son examen. Puisque c'est le dernier jour pour les grands. Enfin, pour Georges, du moins, et ma nièce de son âge. Demain, rebelote, sauf que c'est la plus grande qui a son dernier examen. Donc, je devrais courir aussi quand elle aura fini son examen. Je répète beaucoup le mot examen dans ma phrase. Donc voilà, vous êtes peut-être un peu haut, non? Je vous ai remis sur quelque chose. Je vais essayer de vous descendre. J'ai pas sorti mon trépied, il est en haut, j'ai la flemme. Ouais, c'est peut-être mieux là. Hein, voilà, vous voyez un peu le miroir, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je vais devoir courir, donc je vais pas pouvoir filmer. Donc je vais reprendre un peu de retard par rapport à mon planning vidéo, ce que j'aime pas, mais je peux pas, parce que là, ma belle-sœur vient rechercher les jumeaux, parce qu'après, je dois les garder de midi à 2h30 qu'elle rentre du travail. Et elle vient rechercher les jumeaux à 2h30 après son boulot, donc je pourrais pas aller à la sieste avant 3h, et filmer à cette heure-là, c'est juste pas possible. Je vais mettre ce masque-là, que j'avais vu dans le swap avec Manon à la Saint-Valentin de chez Victoria's Secret. Le petit masque détox, qui est le pink, alors qu'il est gris. Voilà, voilà. Sinon, je crois qu'on continue encore une semaine de vidéos la semaine qui vient, il me semble. Hein. Je ne sais plus. Je vous confirmerai ça demain parce que là, j'ai pas accès à... Ben, si, j'ai accès, mais comme j'ai pas mes lunettes, je vois pas grand-chose de ce que je vous raconte. De toute façon, je vais vous laisser tant que les masques posent, hein, parce que c'est pas passionnant de me regarder avec la tronche de schtroumpf, là. Enfin, de schtroumpf gris. De vieux schtroumpf, en fait. Donc hier, j'ai passé presque ma nuit. Enfin, ma nuit. Je suis restée jusque... J'ai été me coucher tard hier. En même temps, j'ai dormi tout l'après-midi, hein, toute la journée d'ailleurs. Jusque minuit et demi sur la scène de crime TV, là, donc, que je vous ai partagé dans le précédent vlog, que les You Cream Sisters ont parlé. Donc, voilà. Là-dessus, en même temps, je suis sur une série Netflix. J'ai fini de regarder Qui a tué Sarah, là. Ouais, c'était ça. J'ai beaucoup aimé.
beaucoup, beaucoup aimé. Ça m'a vraiment, vraiment rappelé Revenge, une série que j'adore. Et le début des Arrow. Arrow, j'adorais au début jusqu'à ce que ça vire, comme je vous l'ai dit, en truc un peu plus fantastique. Je trouve que ça n'a plus aucun sens, l'histoire, en fait, après. Donc j'ai beaucoup aimé, et là je suis en train de regarder La Disparue, je crois que c'est sur Amazon toujours. Ouais, Sarah, c'était sur Netflix, je sais plus. Écoutez, je sais plus. Mais je suis sur Netflix ou sur Amazon et ou maintenant Scène de crime. C'est aussi encore une série espagnole ou mexicaine, je sais pas trop. Mais c'est avec une jeune fille de 18 ans qui disparaît et. Et les parents qui la recherchent, quoi. Donc là, j'attends de savoir ce qui lui est arrivé exactement. Voilà, je vais laisser poser ça, puis j'irai le rincer. Nettoyer mon applicateur pour mettre l'autre masque. Faut que je me recommande des patchs. Là, j'attends. Demain, je devrais avoir ma monétisation de YouTube. Et quelques ventes Vinted qui te restent valides. Enfin, qui sont validés, que j'ai transférés, donc je devrais avoir aujourd'hui ou demain, pour passer ma commande Amazon, et je vais en profiter pour me reprendre des patchs, pour mettre en dessous des yeux. Je voulais commander les Révolutions, mais ils sont un peu chers, ils sont 18 balles, les 30 paires, je crois, et ils sont en rupture partout. Donc là, j'ai vu sur Amazon, j'en ai vu. Donc, de toute façon, c'est en Prime, donc je vais les commander. J'en avais vu sur Maki Beauty aussi, pas très cher, à 11 euros. Il faut que je regarde l'heure pour. Voilà, je vais me laisser poser une quinzaine de minutes. Donc, comme c'est à l'argile, il faut que je surveille que ça sèche pas. Une fois que je vois que ça commence à sécher, je réhumidifie et après je rince. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, il faut que je fasse cette commande Amazon. Là, je suis obsédée par cette commande Amazon. Je suis en attente. Elle va me coûter très cher. Enfin, très cher. J'en ai pour une centaine d'euros avec les frais de port. Je crois qu'il y en a que je me demande si je ne vais pas faire livrer chez mon frère. Mais non, parce qu'il part en vacances et je ne sais pas les dates. Donc si jamais ça arrive et qu'il est en vacances, je n'ai pas la clé de la boîte aux lettres. J'ai la clé de la maison, mais pas de la boîte aux lettres. Bon, après, la clé de la boîte aux lettres est chez lui, mais elle est... il y a tellement de clés chez lui que impossible de savoir laquelle est celle de la boîte aux lettres. Et puis si jamais ça ne rentre pas dans le. Le truc, ça va être chiant, donc ouais, tant pis. Je dépenserai un peu plus de sous en frais de port, mais je ferai livrer à la maison et au moins je suis sûr. J'ai aussi une abonnée, ma petite HK, qui m'a gentiment dit qu'elle m'envoyait la palette Blueberry Muffin de BH Cosmetics suite à ma vidéo sur la avocado toast. Je trouve ça trop génial. Moi, ça me gêne hein, énormément. Alors, elle m'a dit, non, on fait pas de chichi entre nous. Je te l'envoie, point, donne-moi ton adresse. Ça, voilà, ça me touche quand vous faites ce genre de choses. Elle l'utilise pas, donc elle m'a dit, elle te fait envie, donc je te l'envoie, voilà. Je trouve ça trop mignon quand vous faites ce genre de choses. Ça me touche vraiment tellement. Voilà, bref. Bah écoutez, je vais laisser poser ça et je vous retrouve pour appliquer. Alors après, je vais mettre celui-ci que j'ai eu dans le deuxième swap. Qu'on a fait toutes les trois avec Amy et Manon. C'était de la part de Manon, donc c'est les Glowing Golds, les nouveaux de chez Essence. Donc c'est deux doses à chaque fois. Hein. J'ai tous les princesses là, évidemment. Je viens de trier mes masques en fait. J'ai mis tous ceux qui étaient en application comme ça et en cheat masque blanc. Ici en bas pour en faire plus souvent, parce que vu le stock que j'ai, il faut que j'en fasse plus souvent. Et j'ai laissé tous ceux qui étaient un peu fantaisistes. En haut pour quand j'en fais en live ou bah, tout simplement en live parce qu'il y a que là que j'en fais sinon et voilà mais bon après je vais faire celui-là donc je vous retrouve pour l'application de celui-là apparemment il est doré il faut le laisser poser 15-20 minutes aussi donc je vous retrouve pour l'application comme ça on verra ce qu'il donne sur la face voilà j'ai rincé le masque ça m'a un petit peu déshydraté ici en dessous j'aurais pas dû monter si haut, je le sens, ça tire. Donc je vais mettre les patchs pour les yeux là. C'est à la patate et au persil. Ça m'a trop fait rire quand je les ai reçus. C'est une abonnée qui me les a envoyés. Je lui avais fait un achat Vinted et elle m'avait rajouté plein de choses et ça en faisait partie. Donc,
j'ai chopé les protections, mais pas de masque, pas de patch. Voilà. Donc il m'en reste une paire après celui-ci. Donc il faut vraiment que je commande les autres. En plus, ça me fera pas de mal. Je les mets au frigo, hein, juste avant de. Enfin, ils sont tout le temps au frigo. Au frigo. Je les mets au frigo. Et ensuite, je vais donc appliquer une dose du masque là. Je vais couper avec les ciseaux hein, parce que. De chez Essence, la collection Glowing, je sais plus quoi. La dernière qu'ils ont sorti. Ah, il est doré clair nacré en fait. C'est pas vraiment hyper doré, hein, un petit peu, mais c'est plus nacré que doré, je trouve. Il sent bon. Bon, j'espère que ma nièce va finir son examen trop tôt, hein, qu'elle me laisse le temps de poser mes, de laisser poser mes masques. Sinon, elle attendra 5 minutes. Bah oui, on passe après. Les bruits de cochon, c'est toujours les loups. Hein. Et les bruits de l'échouille, c'est toujours le gros. Je vous jure que c'est pas moi. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre de nouveau une vingtaine de minutes. 15 minutes, c'est marqué. Sans l'excès d'hydratation. Je peux laisser poser, ça sera pas dérangeant. Hein. Ma peau ne dira pas non. Il est joli, hein. En tout cas, ils sont bons. Ils sont le propre, le frais. Voilà, donc je vous retrouve dans une vingtaine de minutes, une fois que j'ai rincé ça, et on achèvera une petite soie. J'ai laissé poser. Alors le glow, oui, vous le voyez. Hein. Voilà. Ça glow d'enfer. Hein. J'aime bien. J'aime bien les teints un peu glowy pour l'été. Donc là, je vais continuer avec le masque pour les sourcils de chez Révolution. Voilà, c'est un petit gel comme ça. C'est du beurre de karité, hein, et de l'huile de jojoba, je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans. Mais je l'aime bien, je le fais assez régulièrement. Ça sent bon. Donc c'est un gel comme ça, assez épais, assez compact. Avec le petit coupillon fourni qui est déjà en train de se faire la malle. Donc je ne vais pas en mettre de trop parce qu'après je dois sortir. Donc je ne vais pas avoir les sourcils tout gras. Donc j'applique avec la petite spatule. Donc j'essaye de mettre là où je veux que mes sourcils le poussent. Mais pas où je veux qu'ils ne poussent pas. Mes petites chenilles. Mes précieux, comme dirait Brennon. Précieuses chenilles. Voilà, on va les appeler comme ça maintenant. Alors, bon, écoutez, il faut que je recolle le goupillon. Parce qu'il ne tient plus. Et ensuite, avec l'autre côté, je m'assouille un peu partout pour faire bien pénétrer à la racine les poils. Et je les brosse vers le haut. Ça m'énerve. Déjà qu'il n'est pas très grand, et en plus il perd des bouts, on n'ira pas loin. Voilà, les précieux. Et je fais pénétrer un peu avec mon doigt. Voilà. Donc ça c'est bien si vous vous épilez. Moi je le fais, hein, j'en mets après sous l'arcade sourcilière. Quand je m'arrache quelques poils ou que je rase, pour bien hydrater et que ça ne fasse pas des points. Et je vais terminer avec le Glowing Gold aussi de chez Essence, que ça vient d'Emmy. Et je l'aime beaucoup ce truc-là, donc c'est un brillant à lèvres, hein, mais c'est une huile. Caring Shimmer Lip Oil, et c'est super, super, super hydratant. Il sent un peu le miel. Ouais, il me semble que c'est le miel, ça doit être le miel. Et voilà, j'ai fait ma petite morning routine soin cocooning avec vous. Donc bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui, du moins. On va voir, je pense pas que le facteur m'amènera grand chose aujourd'hui. Croisez juste les doigts, enfin de toute façon ça sera déjà fait, hein, mais pour que j'ai mes sous assez vite, que je puisse faire ma commande Amazon. J'ai envie de commander ma commande Amazon. Ouais, donc je suis coiffée comme une conne, hein, mais on s'en fout.
Là, il est déjà 10h30, donc dans une demi-heure, je vais déjà devoir aller rechercher la plus grande. Dans une heure, il faudra que je me prépare à aller chercher les deux petits. Donc, ma journée va passer très vite. Aujourd'hui et demain, ça va être un peu tendu. Cette semaine, par contre, on fera la colo turquoise hein, que j'ai envie de faire, que j'ai reçue de la part d'Emmy dans le swap de chez Révolution. J'attends juste que mon frère me ramène des gants parce que j'ai pas de gants. Donc, faire avec les mains sans gants, je suis pas Emmy, moi. Hein, j'ai pas envie d'avoir les mains teintées pendant 15 jours. Donc là, j'attends que mon frère me ramène des gants du boulot parce que chaque fois que je vais chez Action, j'oublie de regarder et quand j'y pense, il n'y en a pas. Voilà! Donc là, il va m'en ramener quelques paires. Par contre, je sais pas où je vais me mettre. En fait, moi, d'habitude, je me mets à la cuisine devant le miroir que j'ai là-bas. Bon, avec le trépied, je sais vous mettre à peu près partout maintenant, mais je pense qu'on fera ça ici à la salle à manger. Je me reculerai juste par rapport à la table, comme ça, je ne tâche pas la table, parce que moi, j'en fous toujours partout quand je fais ce genre de truc. Mais je pense qu'on fera ça mercredi. Si mon frère pense à me ramener les gants aujourd'hui, sinon, je sais pas quand est-ce que je les aurai. Puisque je le revois demain matin, enfin je le vois pas, mais comme ça il peut me les déposer chez lui demain matin quand je vais réveiller les petits, et comme ça je pourrais la faire mercredi, mais on verra bien quel jour on la fait. Mais de toute façon, je vais la faire cette semaine parce que non seulement je deviens chauve, j'ai des cheveux blancs, ils partent en cacahuète totale, c'est la merdasse, c'est la merdasse. Ok, bah écoutez, moi je vais déjà vous laisser pour aujourd'hui, on va switcher de jour. Si jamais il y a quelque chose au facteur, je vous montrerai demain matin, ça sera plus simple parce que là, à mon avis, le facteur va passer en même temps que ma nièce va me téléphoner et ça va être un bordel sans nom. Et si j'arrive à faire ma commande demain Amazon, il y a déjà des trucs que je vais recevoir mercredi. Donc ça, on verra au fil de la semaine comment ça va se passer. Bon, bref, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, donc on switch. Alors, il est 9h36, j'ai encore ma tête de folle, mais vous voyez pas trop, voilà. Là, j'attends ma nièce, la plus grande des trois, doit finir son examen. Donc, j'ai été amener les petits ce matin. Là, j'attends, elle finit à 10h30 maximum. Donc, j'attends qu'elle m'envoie un message pour que j'aille récupérer la grande, que je dois ramener chez mon frère. Ensuite, je reviens à la maison jusqu'à 11h30 et je dois partir déposer un colis Vinted, en chercher un autre, tant que je vais chercher les petits à midi à l'école parce que c'est juste à côté. Voilà. Et voilà, après je vais les garder jusqu'à ce que ma belle-sœur vienne les chercher vers 2h30 et puis une fois qu'ils seront partis, je ferai comme hier, je cours à la sieste. Voilà, hier c'est ce que j'ai fait, à peine ils sont partis, je me suis cassée pour dormir. Et c'est le dernier jour, donc ça, je suis crevée, hein. J'ai très mal dormi, très peu surtout. C'est mon dernier jour, donc après je suis tranquille, plus besoin de me lever le matin, donc je risque de vous prendre un peu plus tard les autres jours du vlog. Surtout que là, Sam a fini l'école, Chérie est en congé le reste de la semaine, puisque demain c'est la fête nationale luxembourgeoise, donc de toute façon il était en congé et il a pris le jeudi et le vendredi. Après je sais que demain et jeudi, il doit aller aider sa sœur, donc je l'aurai dans les pattes que le vendredi. Voilà. Donc demain, on va faire la colo, demain ou jeudi, je ne sais pas trop, suivant ma motivation. Mon frère m'a ramené les gants, donc je vais pouvoir faire ça. Et hier soir, j'ai refait mes ongles, puisque j'ai reçu mes nouveaux vernis d'AliExpress. Ils étaient temps. Hein. Donc voilà, c'est vous qui avez choisi sur Insta la couleur. Et j'ai juste utilisé le... De toute façon, je vous note ça en barre d'infos, comme d'hab. C'est le vernis ongle 24 que j'ai reçu de la part de Manon, le Ivy Glitter Holo. Et donc, les trois vernis que j'ai reçus, c'est trois élites, hein, puisque les élites 99 au choix, c'est ceux que j'adore. Voilà, c'est mes préférés. Donc, il y a celui que j'ai mis, qui est le turquoise, comme ça. Je vous mets le lien en barre d'infos et je vous montre la référence. Elle est à l'endroit, elle est à l'endroit. Voilà, donc c'est le 4907 pour le turquoise. J'ai pris un pistache, comme c'est étonnant, du vert. Mais focus, s'il te plaît, merci. Voilà, donc voilà la référence qui est le 4917 et je me suis rendu compte, en fait c'est pour celui-là que j'ai commandé à la base, enfin non, pour les trois. Le turquoise c'est parce que j'ai donné à Manon celui de ongle 24 parce que j'aime vraiment pas la texture des gels là, c'est des broches on gel je crois, je sais plus comment ce qu'ils appellent ça, mais en fait c'est vraiment du gel compact avec un pinceau applicateur de vernis et je trouve que le mix des deux ça va pas.
C'est mieux avec un pinceau spécial nail art, vous voyez, à part, plus dense que les pinceaux vernis classiques. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas de bleu canard. J'ai un kaki, bien évidemment, j'ai du vert, bien évidemment, mais j'avais pas de bleu canard. Donc, je me suis pris un bleu canard. C'est pas tout à fait la saison, mais enfin, quoi que moi, je m'en fous. Puis on peut encore faire des décos assez clairs par-dessus. Un peu voie lactée, peut-être. Et celui-là, c'est le 3905. Voilà, donc je vous mets les références de toute façon en barre d'infos et les liens. Maintenant, moi, je suis contente de les avoir reçus avant le 1er juillet, puisque je ne sais toujours pas comment ça va se passer. Voilà. Et que je disais dans le dernier vlog, je crois que j'en ai reparlé encore dans celui-ci, je ne sais plus ce que je raconte. Donc voilà. Mais pour Amazon, j'ai bien vérifié, c'est marqué que la TVA est payée pour toute la commande. Donc même si ça vient de Chine, normalement, je n'ai pas de taxes en plus à payer, puisque j'aurais déjà payé la TVA. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça me rassure. Là, je viens de faire ma commande Amazon. Je viens de claquer 100 balles en 5 minutes. Hein. Même pas, en 2 minutes. Après, j'attendais pour la faire, cette commande. Donc, comme je viens de vous partager sur Insta, j'ai reçu ma monétisation et mes petits sous de Vinted, les quelques ventes que j'avais fait. Du coup, j'ai pu passer ma commande. Et comme c'est avec la monétisation que j'ai payé, je me suis pris un truc que je voulais, que ça fait un peu grosse tête si je me l'achetais moi-même. Donc, j'ai décidé de me l'acheter avec les sous de la monétisation. Comme ça, c'est un cadeau de votre part à tous. Et comme ça, vous serez avec moi tout le temps. Mais je vous montrerai ça quand je les aurai reçus. Je vous montrerai sur Insta et ici en vlog. Parce que celui-là, ils doivent le faire. Donc, ça prendra un peu plus de temps à ce que je le reçoive. Il y en a un que je reçois jeudi. Il y a trois produits que je reçois jeudi. Donc, je vous montrerai ça jeudi. Plus, je viens de recommander un chargeur pour Georges parce que son chargeur est foutu de téléphone. J'ai trouvé un 9,50 € un Samsung, donc je suis bien contente. Mais bon, ça fait pas partie de mon budget, hein, c'est le budget de la maison, ça. Donc, je les récupérerai après. Mais voilà, vous allez voir que l'ampleur avec votre délire de cuisine, là, ça prend de l'ampleur chez moi aussi. Et je suis tombée sur un truc que j'ai complètement craqué. Enfin, deux trucs en fait, mais pour moi, ça fera un. Enfin, vous verrez quand je les aurai reçus. Je vous expliquerai tout ça. Bref. Bah écoutez, là je pense que je vais pas vous reprendre aujourd'hui. Ce vlog risque d'être assez court. Je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois il est long quand même. Mais voilà, je pense qu'il sera assez court. Là je sais pas, je vais maintenant faire la première journée de montage, enfin la journée d'hier, en montage, comme ça je vois déjà le temps. Plus ici, là on est à 5 minutes, donc ça va. Parce qu'il y a très peu de coupures sur les vlogs, hein, sauf quand je dois gueuler sur le chien ou des choses comme ça. Ou éventuellement que je pète et que pour pas que vous entendiez mon paix, là je coupe ou des choses comme ça. Voilà. Bref. Donc là je vais attendre que ma nièce m'envoie un message. J'irai la ramener chez mon frère, aller chercher les petits en allant déposer mon colis. J'ai mal la tête aussi, j'ai attrapé mal la tête. Mais en fait, Enzo est en pleine dépression. Il part vendredi en vacances avec mon ex-belle-sœur et donc mes neveux et nièces. Et il a fait tomber sa bouteille de parfum Nox. Alors ça sent très longtemps et très fort, hein, Nox, hein, je vous garantis. Ça sent dans toute la maison son parfum, qui sont divinement bons, mais ça me donne mal la tête. Depuis hier, j'ai mal le crâne à cause de ça. Trop de parfum chez moi, c'est pas bon. Et voilà, mais lui, il est en pleine dépression. Donc, je lui ai dit, t'inquiète, si quand ils me reproposeront un partenariat, j'avais dit que je dirais non pour la prochaine fois, mais là, je dirais oui pour lui reprendre. Au moins une bouteille, quoi, parce que sinon il va chialer. Il va chialer. Mon parfum, en plus j'ai tort. Hein. Oui, bah écoute, voilà, ça arrive. Mais en fait, la bouteille est vraiment tombée droite, comme ça, sur le cul, et elle s'est pété net au-dessus. Tout le dessus. Attendez, je vous montre. Bon, c'est pas un Nox, mais c'est le même principe, c'est le même format. Elle est tombée comme ça, et ça s'est cassé net là, donc voilà. Ça, c'est ce qui me reste de ma fleur de cerisier, là, que j'essaie de terminer. On va rajouter un peu de parfum, hein. Il n'y en a pas assez dans la maison. J'ai encore pleuré que j'ai mal la tête. Mais bon, il faut que je le finisse celui-là. Voilà. Bon, je vais faire mon petit montage. En attendant d'aller chercher les petits, je vais jouer un peu aux Sims, je pense. Voilà. C'est tout. Je suis crevée. Et puis en plus, il prévoit de la pluie toute la semaine, il fait dégueu, il fait froid. J'ai mon gilet tellement j'ai froid et j'étais à deux doigts ce matin de rallumer le poêle.
Donc, et demain, je me maquille quand même, parce que, enfin, il faut que je tourne des vidéos, parce qu'il faut que je rattrape les 2 jours là que j'ai pas tourné. Surtout que vous m'avez demandé sur Insta, enfin, je vous ai demandé si vous, avec la palette Nikita Dragon là, et Morphe, si vous préfériez une palette un make-up ou une palette 3 looks. Vous avez voté pour une palette 3 looks, donc il faut que je fasse les 3 looks. Voilà, donc si j'arrive à les faire mercredi, jeudi, vendredi, c'est bon. De toute façon, j'ai rien de prévu ce week-end, donc au pire, je peux rattraper encore le week-end. Mais comme ça, à chaque fois, je fais un make-up et je tourne une autre vidéo. Parce qu'il m'en reste 3. En plus de la Nikita, il me reste 3 vidéos à tourner pour la semaine prochaine. Donc pour vous, c'est la semaine qui vient. Donc la FAQ avec Georges. Ça, je tournerai, je pense, que dans début de semaine où elle sera publiée. La semaine prochaine, quoi. Enfin, oh, je dis n'importe quoi. Bon, allez, je vous laisse. Si jamais il y a quelque chose au facteur, j'aurai sûrement le temps de vous montrer entre les 2 trajets d'école. Sinon, si j'ai pas le temps, je vous montrerai demain s'il y a quelque chose. Mais il me reste 2 commandes AliExpress que j'attends. Ma petite pince barrette couronne et mes fleurs en cristal, enfin en cristal, en plastique. Que j'aimerais bien mettre dans mon fond de vidéo. Voilà, bref. Bon, écoutez, je vous laisse. S'il y a quelque chose, je vous reprends. Sinon, on suit le jour. Et de toute façon, vous savez mon programme. Maintenant, je vais courir, garder des gosses, aller dormir. Voilà ma journée. Et faire un peu de montage. Allez, on switch. Alors, il est 8h51. Il est très tôt. Hein. Je commence à filmer très tôt. Et là, je suis en train de tester le kit pro lamination là, de Révolution, donc c'est une permanente de sourçage, hein, tout simplement. Donc bah, de toute façon, vous verrez le résultat demain, mais la vidéo sort. Mais je crois que vous l'avez déjà eu. Non, je ne sais plus. Attendez, je vous dis dans quel ordre. Est-ce que vous l'aurez déjà eu? Ah oui, vous l'avez eu hier, donc ça va. Je vous spoile pas. Parce que j'aime pas trop vous spoiler. Donc je vous la remets en barre d'infos, hein, si jamais vous l'avez pas vu. Voilà. Donc là, on a l'air bien concon. Hein. Ça fait un peu... je sais pas trop, mais ça fait concon. Voilà, donc là, je dois attendre encore 5-6 minutes. Je vais le laisser poser à peu près 10 minutes. Ils disent 4 à 6, mais vu l'épaisseur de mes sourcils, il vaut mieux que je le laisse pouiller. Oh là là, il est tôt. Je suis réveillée depuis 6 heures alors que j'ai pu à me lever pour l'école. On adore. Voilà. Donc là, je vais recevoir mes premiers colis Amazon aussi aujourd'hui. J'aimerais bien recevoir mes 2 derniers AliExpress aussi, parce qu'il y en a qui vont en déco, donc j'aimerais bien que la déco arrive. Je vous montrerai ce que j'ai acheté. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un cadeau que je me suis fait de votre part, mais qui est en 2 parties. Je vais recevoir une partie aujourd'hui et l'autre, je ne sais pas quand. Il y a des trucs qui sont marqués livraison jusqu'au 23 juillet, quoi. Et ils viennent de Chine, je viens de vérifier. Mais c'est bien noté que la TVA est déjà payée. Donc logiquement, je ne devrais pas avoir de frais de douane, puisque la TVA est payée. Maintenant, c'est comme Amy m'a envoyé hier, son chéri a commandé une lampe à 30 euros sur AliExpress. Et il a reçu les frais de douane de 33 euros. Donc les 21% de TVA, ils sont un peu beaucoup chers. Hein, je ne sais pas. Donc vous voyez, soit il n'a pas eu de chance et il s'est fait prendre aux frais de douane classiques d'AliExpress, en sachant que si vous commandez pour plus de 21 euros, de base, vous risquez les frais de douane. Moi, heureusement, ça ne m'est jamais arrivé. Je commande très rarement quelque chose de plus de 30 euros. Mais ça ne m'est jamais arrivé avec AliExpress. Maintenant, soit il n'a pas eu de chance, soit les frais, il n'y a pas que la TVA qu'on doit payer en plus. Hein. Donc voilà, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. J'ai dit à Amy qu'elle essaye peut-être d'envoyer un mail pour leur dire que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement... Ah, et ce matin, j'ai eu une bonne nouvelle. J'ai contacté Beauty Bay. Oui, tout le monde les contacte en ce moment. Hein, donc, voilà. Et elle m'a dit que je devais m'affilier d'abord par Awin. Donc, c'est un programme, un site, en fait, qui crée des liens d'affiliation à la place des marques, en fait, si vous voulez. Et enfin des sites, et c'est eux en fait. À chaque fois que vous cliquez sur le lien, ça leur donne l'info et vous
cumuler aussi des petits sous comme les autres liens d'affiliation, sauf que là, ça passe par quelqu'un d'autre que le site officiel. Donc, il y a forcément BeautyBee, puisque j'étais obligée de m'inscrire pour pouvoir rentrer dans la PR list, parce qu'elle me dit, faut s'inscrire, hein, que je puisse vite vous ajouter à la PR list. Il y a Révolution, il y a makeupspot.nl, qui est un site que j'aime beaucoup. Donc, c'est les trois que je me suis inscrite, et AliExpress. Donc, je vous mettrai, une fois que j'aurai les validations, parce que maintenant, les sites doivent valider, voir s'ils acceptent que je sois affiliée à leur compte, enfin, à leur site. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, et si je peux, quand je vous mets les liens des produits d'un site que je serai en affiliation avec, à ce moment-là, je mettrai le lien d'affiliation. Comme ça, quand vous cliquez dessus, ça me rapporte tout de suite des petits sous. Voilà. Donc, je ne sais pas trop comment ça va aller. Je ne connaissais pas du tout. Amy m'en avait parlé une fois quand on parlait de BeautyBee, parce que c'est elle qui m'a décidé à faire la demande chez BeautyBee, et plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, qui m'ont dit, mais enfin, pourquoi toi, pas toi, alors qu'il y en a d'autres qui l'ont alors qu'il n'y a pas d'intérêt, quoi. Voilà. Mais du coup, moi, j'avais dit, c'est vraiment que les liens d'affiliation à la base qui me plaisent. Les produits gratos, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, parce que je vais recevoir des produits qui seront pas, qui me correspondront pas, qui me plairont pas, des teintes pas forcément adéquates à ce que j'aime ou à ce qui me convient. Enfin, vous voyez. Donc, les produits gratos, c'est pas ce qui me botte le plus. Les liens d'affiliation, oui, puisque ça me permet de gagner des petits sous pour pouvoir racheter des produits pour ma chaîne. Maintenant, c'est vrai que la marque BeautyBee en elle-même, j'ai un gros coup de cœur sur beaucoup de choses de chez eux. Enfin, moi, principalement, c'est les Crystal Eyeshadow hein, que j'utilise très souvent. Et les deux palettes BeautyBee que j'ai, je les aime vraiment beaucoup. Donc, si ça peut me permettre de découvrir un peu plus leur marque sans payer, je vais vous dire, je ne vais pas dire non non plus. Et tous des produits que la teinte ne me paiera pas, que je pourrais recevoir ou des choses comme ça, ou que j'aurais déjà commandé ou n'importe quoi, à ce moment-là, je les mettrai de côté pour les concours, quoi. Mais voilà, c'était pour vous signaler ça, que après, suivant les sites qui auront accepté, je risque d'avoir des liens d'affiliation sur plusieurs produits que je vous mentionnerai. Donc, je ferai comme tout le monde, hein, je mettrai les deux petits astérisques pour dire que c'est affilié. Comme ça, vous le savez, que si vous cliquez dessus, ça me fait des sous à moi. Voilà, voilà. Donc, je vais peut-être arrêter le vlog pour reprendre la vidéo, parce que j'ai pas envie de perdre mes petites chenilles non plus. Hein, donc, je reviens plus tard. Donc voilà le rendu des sourcils pour l'instant. Donc là, il est 10h05. Là, je vais commencer à faire mon teint en attendant le facteur. Donc, c'est quand même pas mal. Et ils sont super doux, par contre. J'adore comme ils sont doux. Voilà. On verra bien sur le long terme, hein, comme je vous ai dit. Et donc, avant d'attaquer mon teint, je voulais vous montrer, puisqu'on me l'a demandé, les swatchs en comparaison de ces deux palettes-là. Donc, moi, je vous conseille plus celle-ci. Je vais vous montrer les swatchs. C'est peut-être pas... C'est vraiment pas... c'est peut-être pas similaire, mais c'est quand même pas mal identique. Donc, on a d'un côté la Anastasia Italian Summer et la Révolution avec Patricia Bright que j'ai en teinte Moonlight Glow. Donc, à la base, je l'avais acheté juste pour le bronzer. Le blush, parce que j'aimais beaucoup la couleur du blush. Et... j'adore le bronzer également et j'aime bien le highlighter aussi. Donc vous voyez que le bronzer, je l'aime bien. Il fait partie de mon Project Pan d'ailleurs. Et voilà les deux. Donc rien que comme ça, vous voyez déjà que c'est vraiment très ressemblant. Donc on va swatcher les deux. Je vais commencer avec la Moonlight Glow. Donc on va faire bronzer, blush, highlighter. Blush, highlighter. Donc l'highlighter, il est devenu un peu grumeleux chez moi. Donc voilà la Révolution. Alors, bronzer, blush, highlighter. Et j'adore la teinte du bronzer, la teinte du blush. L'highlighter, je l'aime bien aussi. C'est pas un de mes préférés parce qu'il est pas, il fait pas des pétouilles comme moi j'adore. Mais il est pas mal. Alors, j'essuie ma main. Et donc, bronzer, blush, highlighter chez Anastasia.
Donc on voit tout de suite que le bronzer est un peu plus chaud. Et je vais mettre en dessous. Ouais, à part que c'est un peu plus pigmenté. Voilà la différence des deux. Donc c'est juste plus pigmenté, parce que bon, c'est du ABH, hein, mais le prix est aussi largement différent. Donc je vais rajouter une couche du Révolution pour que vous voyez mieux. Bronzer, blush, highlighter. L'highlighter est un peu plus champagne et moins doré. Le blush. Le blush, il est un peu plus rosé et le bronzer est un petit peu plus chaud. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très ressemblant. Voilà. Donc, moi, je vous conseille vraiment, vraiment le Révolution, quoi. Parce que, bon, question prix, il n'y a pas photo, hein. Voilà pour les petits swatchs des deux. Nymphe, tu me l'avais demandé aussi, donc voilà. Il y a Georges qui veut vous dire bonjour, donc je dois attendre qu'il ait terminé de s'habiller parce qu'il se balade à poil. Enfin, à poil. Torse nu. Franchement, rapport qualité-prix, Anastasia vaut pas le coup. Voilà, je suis légèrement déçue de mon achat puisque je ne le pensais pas aussi ressemblant. Après, c'est le packaging qui m'a fait craquer avant tout. Mais voilà, je suis vraiment déçue. Oh, des pecs. Voilà, Georges. Wesh. Voilà, tout ça pour ça. Je l'attends pendant 10 minutes, le temps que monsieur se fasse une beauté, et il vous fait wesh. Bah, le temps que je mette un t-shirt, quoi. Ouais, que tu te fasses une beauté, quoi. Mais on va faire plein de choses en vlog, hein, pendant les vacances. Tu me payes combien? J'ai dit, on va faire un masque. Hein? On fera un masque pendant les vacances. Si tu veux. Si tu veux. Tu veux que je te dispose? Voilà, bah écoutez, moi je vais faire mon teint en regardant la suite de ma série. Pour l'instant, je suis toujours sur Amazon, sur La Disparue, qui est pas mal. Franchement, j'attends, ils viennent de retrouver. Elle a enlevé la cam. Enfin, non, je vais couper ça, faut pas que je vous spoil. J'ai rien dit. Donc voilà. Allez, on se retrouve quand le facteur est passé. Donc, bah, vous avez Georgia. Il est 10h21 et le facteur est déjà passé. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de Amazon. Je vous mets tout dans ma vitrine. Vous avez le lien en barre d'infos. Donc là, les deux premiers trucs, je vous les mets dans la partie beauté, puisque c'est de la beauté. Donc, je me suis repris des masques pour des patchs pour mettre en dessous des yeux. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est Wang Jing 24K Pure Gold. C'est au collagène. Donc voilà, c'est anti-rides, anti-cernes et anti-fatigue. Ouais, voilà, c'est anti-vieillesse, quoi. Et donc, c'est un pot doré, comme ça. Et vous avez les patchs à l'intérieur. Alors, tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne sont pas pailletés. Vous avez la petite couillère pour les attraper. L'opercule de protection en plastique. Et non, ça va. Ils ne sont pas pailletés. Par contre, le gel à l'intérieur est super épais. Sans dedans. Donc, voilà. Je ne vais pas trop le pencher parce que je vais faire une c'est catastrophe. C'est des gels, tout ce qui est plus des patchs en gel, tout ce qui est plus classique. J'aime bien le format peau parce que c'est plus facile à conserver. Je les mets au frigo et je suis tranquille. Donc ça, je testerai certainement ce soir ou demain matin. Je me suis pris un truc que je voulais depuis très longtemps, mais que je ne trouvais pas chez Action, qu'on voit partout. C'est un roll-on. Putain, c'est lourd. C'est un roll-on en pierre de jade. Alors la couleur est aléatoire. Pas de chance, j'ai eu un vert. Eux, ils présentaient un blanc. Mais c'est pour. Je vais me repasser la face non-stop, je pense. Elle a un problème. Oh, j'adore. Ah, mais non, mais c'est agréable. Oh, c'est super agréable. Voilà, il est tout froid en plus. Et vous pouvez aussi vous en servir avec le petit côté pour les cernes. Bon, après, il cuine. Mais je pense que je vais passer mes soirées à repasser ma face. Oh là, j'aime beaucoup. Elle va faire de la crème. Oh, j'aime bien.
Voilà, je n'ai pas payé très cher. Ouh, j'aime bien. Bon, bref. Et un des deux cadeaux que vous me faites, hein, donc du coup, puisque c'est avec la monétisation que j'ai acheté, vous allez voir que le délire de Queen prend une ampleur assez incroyable. Je me suis commandé deux chaînes, mais j'en ai reçu qu'une. L'autre, elle va risque de mettre du temps à arriver. Hein. Donc, ça arrive dans un petit pochon comme ça, très luxueux. C'est une Delitzsch Jewelry. Ça, c'est de l'allemand, à mon avis. Ça doit être allemand, hein, oui, exactement. Et alors, c'est une jolie couronne. Et la chaîne est très, 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 très belle. Elle me demande de l'attacher, je ne sais même plus comment ça s'attache. Oh là là, que c'est beau. Donc ça, c'est une des deux, parce que je me suis pris une autre chaîne pour remplacer celle-ci, mais pour l'instant, elle va remplacer celle-ci parce qu'elle est assez courte. Ensuite, la couronne, je la mettrai sur ma chaîne police, et je mettrai l'autre quand je l'aurai dessus. Mais pour l'instant, tu peux m'enlever celle-ci, la petite. Elle est dans tes cheveux, Google. Oh. Donc attention, c'est Georges qui va. Alors, le médaillon est poinçonné. La chaîne, j'arrive pas à voir. Est-ce qu'il y a un poinçon? Ouais. Donc ils disent que c'est de l'argent 925 sterling, je crois, un truc comme ça. Écoutez, on verra bien, parce que moi j'aime bien les bijoux que je peux laisser, que je ne dois pas enlever. Attends, il faut qu'elle soit à l'endroit. Vas-y. Donc on verra bien si mon cou noircit ou pas. De toute façon, après, elle ira sur l'autre chaîne. Donc, c'est une guerre. Si tu évites de tirer dessus pour pas me la casser quand même. Quand tu veux attacher ça, toi? Je te jure que je peux pas te l'attacher. Ah, il est nul. Pas trop dessus parce que tu vas me finir par m'étrangler. Mais arrête, le truc il est tout petit, c'est impossible. Oh, ma petite louloute. C'est bien. Je reviens dans 2 heures. Ça y est, oh magnifique. C'était tout petit, c'était galère. Bon, ah, la chaîne est plus longue que ce que je ne le pensais. On peut pas la régler. Je vérifie, mais il n'y a qu'un trou, hein. Ouais. Donc on sait pas la régler. Bah après, elle a une taille de chaîne standard, hein. Mais par rapport à la licorne, d'ailleurs, je pense que je vais l'enlever, la licorne. Je vous montre. Vous avez vu sur mon magnifique décolleté. Ouh. C'est joli. C'est joli, joli. Et vous voyez que la licorne, c'est un peu trop court. Enfin, il faudrait qu'elle soit un peu plus... Je me rassois. Il faudrait qu'elle soit un peu plus haute, celle-ci. Donc, je vais laisser juste la couronne pour l'instant. Ouais, je vais enlever celle-ci. Et je changerai quand j'aurai reçu l'autre. Je vous dis pas ce que c'est, mais... Voilà, ça fait partie... pour moi, ça fera que un collier. Et j'aime bien avoir deux, en fait. Voilà. Ouh, c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. Donc voilà. Merci pour votre petit cadeau que vous venez d'apprendre, que vous venez de me faire. Mais j'aime beaucoup. Ok, bon, allez, je vais faire mon teint. Comme ça, maintenant, je peux aller filmer et être tranquille. Je vais ranger d'ailleurs mes deux autres chaînes dans le petit pochon là, pour pas qu'elles s'oxydent de trop. Et voilà. Donc, à plus tard. Alors, il est 8h50 et je vous prends avec ma tête défraîchie. Voilà, je suis encore réveillée depuis 6h30. Hein. J'ai plus besoin de me lever pour l'école, mais je continue à me lever à l'heure de l'école. Bref, putain, je perds mes cheveux, c'est affreux. Donc là, je vais me coiffer avec vous juste pour vous raconter ce qu'on va faire aujourd'hui. J'arrive pas à choper mes trucs. Je vais mettre des extensions parce qu'en fait là comme ça fait plusieurs fois que je les attache en truc qui ressemble à rien, ils prennent une forme un peu bizarre. Donc là je vais mettre une extension pour pas que ça se voit. Voilà. C'est pas ça que je voulais. Oh merde. Merde. Je vais pas mettre d'huile aujourd'hui, ça sert à rien, parce qu'après on va faire la colo. Donc là, j'ai deux vidéos à tourner. Enfin,
une partie d'une vidéo et une vidéo. Donc là, je suis en train de vous tourner une palette 3 looks avec la Nikita Dragoon. Donc, vous aurez le spoil d'un make-up. Hein. Je ne vous ai pas spoilé celui d'hier, mais vous aurez le spoil aujourd'hui. Là, d'ailleurs, il est grand temps que je lave mes cheveux. Donc, on va faire ça. On va également tester les boucles sans chaleur avec des chaussettes qu'on voit partout sur TikTok. Hein, mais j'ai une abonnée qui me l'a partagé, qui m'a dit « Ah, il faut que tu essayes, ça fonctionne trop bien. » Donc, on va tester ça. Comment ? Je vous ai demandé sur Insta, je vous avais demandé des idées de vidéos. J'ai une pinette dans mes cheveux, quoi. J'avais pas vu ça. Je vous avais demandé des idées de vidéos. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire en commentaire également. Hein. Et on m'a demandé de faire les astuces TikTok, make-up et tout ça. Donc, on voit ça partout hein, aussi. Moi, j'aime pas trop faire les vidéos quand on les voit partout. Je suis pas normale. Hein. Moi, je surfe jamais sur la vague du buzz. Mais du coup, je vais vous les faire. On m'en a partagé quelques-uns qui sont... Pas mal. Donc, si vous en avez d'autres, bah, pareil, hein, envoyez-les-moi par message privé sur Insta. C'est plus facile pour moi. D'ailleurs, je me suis mis à TikTok. Je vous mets en barre d'infos. En fait, mon neveu m'a mis au défi quand j'ai été le chercher à l'école dans le début de semaine. Parce que j'avais un TikTok, mais je postais quasi rien dessus. J'avais posté deux make-up artistiques, si on peut dire. Enfin oui, artistique, la sirène bleue et celui du clip de Lady Gaga. Et du coup, mon neveu m'a mis au défi d'en faire plus et de monter en abonné TikTok. Voilà, donc je vous passe le message. Hein. Donc du coup, ben voilà, j'essaye de poster. Après, c'est principalement ceux que je vous poste sur Insta. Hein. Voilà, je ne vais pas me casser trop la nénette. Après, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé de faire... Voilà, qui m'a donné quelques idées de faire en m'en partageant d'autres et tout ça. Donc, j'en ferai peut-être des un peu plus TikTokiens au fil du temps. Mais je dois vous avouer que je comprends pas trop comment ça fonctionne TikTok. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ma queue bleue puisque j'ai un top bleu et que le make-up va être principalement dans les tons bleus. Alors, j'adore le fini de cette chose, c'est pas une perruque, de ce postiche, sauf que ici au-dessus c'est un peu chiant parce que ça fait une bosse, donc je dois toujours essayer de rafistoler comme je peux. Ah oui, par contre, ça va mieux quand je fais un petit chignon, donc je vais prendre un autre élastique parce que sinon il ne tient pas bien vu qu'il y a une poche à l'intérieur hein, pour faire tenir avec la pince. Voilà. Donc, mes cheveux vont absolument ressembler à rien quand je vais enlever ça pour faire la golo. Hein, mais on s'en fout. Après, de toute façon, je vais à la douche. Donc, je crois qu'il y a une souris pas loin. J'entends cuiner. Bon, là, je l'ai fait trop grand. Oh, mais c'est pas possible. Donc, voilà. On va tester ça. Donc, aujourd'hui, ce sera crash test cheveux. Mes sourcils, vous pouvez voir que ça va. Sauf que là, je vais les fixer avec un peu de laque quand même, parce que je trouve que ça fait pas assez fixé. Oh là là, je perds mes cheveux, c'est affreux. Je trouve que ça fait pas assez fixé à mon goût. Ça fait plus naturel que ce que je fais d'habitude. Donc, voilà. Mais, j'aime bien. Je pense que de toute façon, après, je vais quand même repasser au savon. Comment ? Ben, tout simplement pour bien les fixer. Maintenant, si, comme je vous ai dit, si vous voulez que je crash teste celui d'Amazon, d'ailleurs, j'ai trouvé un kit, je l'ai mis en partie wishlist, hein, si vous voulez déjà le commander avant moi, dans ma vitrine Amazon, donc vous avez le lien en barre d'infos. J'en ai trouvé un qui fait cils et sourcils. Donc, dites-moi si ça peut vous intéresser qu'on crash teste ça en vidéo. Ah bah là il s'est mis un peu mieux tiens du coup. Par contre j'ai ma mèche rebelle, je vais l'attacher ça. Oh mais c'est pas possible, c'est pas mon jour déjà, ça commence bien, ça commence super bien.
Je fais que des conneries depuis ce matin. Donc ça, je vais l'attacher derrière si j'arrive à s'en choper les cheveux de ça. J'arrive, hein, je suis là, vous inquiétez pas. Hein, je suis concentrée sur mes cheveux. Donc comme ça, on pourra crash tester ça dans une autre vidéo. Mais bon, d'ici un petit mois, quoi, parce que le temps que celui-ci s'enlève. Je sais pas comment est-ce qu'on est. Parce que là, du coup, je me suis dit, on peut faire une vidéo où je teste pour les sourcils. Vous savez, comme je vous ai dit dans la vidéo crash test sourcils, où je fais un sourcil révolution et un avec le kit Amazon. Et on peut aussi faire une vidéo où je teste les cils. Maintenant, c'est exactement les mêmes produits. Hein. Il y a juste que dans le kit à cils, vous avez les coussinets et tout ça, que vous n'avez pas dans les kits à sourcils. Mais c'est les mêmes produits. Donc, si vous avez un kit pour lifter les cils, vous pouvez faire vos sourcils avec, sans problème. Ça ne change rien. Hein. Voilà. Est-ce que je mets une déco ou pas? Non, c'est comme ça, il est bien mis. Là, je vais peut-être... Non, il a l'air bien mis. Je vais peut-être juste le piner un coup pour être sûr que ça bouge pas trop. Et dans un des prochains vlogs aussi, je vous montrerai comment laver les extensions. Alors, je les ai pas encore lavées, hein, donc ça sera un test. Voilà. J'ai été voir tout de suite, avant d'en commander, j'ai été voir si c'était possible de les laver et de les entretenir, parce que j'avais pas envie d'acheter des trucs que je pouvais pas réutiliser, en fait. Oui, enfin, pas réutiliser. Si, forcément, vous pouvez les réutiliser, mais... Voilà. Alors, je sais que je vous aimais beaucoup quand je mets celle-ci, et j'aimerais bien me trouver la même avec les cheveux... Enfin, j'aimerais bien m'en acheter de toutes les couleurs, mais pour l'instant, j'attends pour AliExpress. Ah, en parlant de ça. Alors, hier, j'ai reçu un courrier de Bipost, hein, donc de la Poste belge, qui explique un peu mieux comment ça se passe pour les nouveaux frais. Alors, si vous passez commande dans un webshop qui facture la TVA à l'avance, vous connaissez et payez le montant total à la commande, vous ne devez payer aucun frais lors de l'importation en Belgique. Votre commande est livrée plus rapidement. Le webshop ne tient pas compte de la TVA, vous devez payer les frais supplémentaires pour l'importation de votre commande. Bipost vous en informe à l'arrivée de votre commande en Belgique. Vous payez les frais à l'avance en toute sécurité via l'app MyBipost ou via Track and Trace. Voilà. Donc en fait, si le site ne vous facture pas la TVA à la base, là vous aurez des frais. Si c'est compté sur le site, vous n'en aurez pas. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que... comment ? Nous, on a une TVA de 21% en Belgique. Vous, c'est 20% en France. Est-ce que maintenant, si je commande en France, que c'est 20%, est-ce qu'ils vont me réclamer le 1% manquant pour la TVA belge ? Vous voyez, c'est ça qu'on ne comprend pas tout avec cette histoire-là. Mais du coup, comme je vous ai dit, Amazon, les frais de TVA sont compris dans la facture. Donc là, je n'aurai pas de frais supplémentaires. Maintenant, Shein, je ne sais pas, par exemple. Révolution, ils changent les règles de trucs. Donc à mon avis, ils vont les ajouter aux frais de la commande. Donc comme ça, il n'y en aura pas non plus. Et les autres sites, je ne sais pas trop, AliExpress, c'est pas compté la TVA par exemple, vous voyez. Donc AliExpress, il y aura des gros risques, sauf si certaines boutiques comptent la TVA. Voilà, vous devez juste voir quand vous faites avant de payer s'il y a une partie marquée TVA, autant d'argent, quoi. Voilà. On verra bien, ma foi. Pour l'instant, Chine, je ne sais pas du tout si ça compte la TVA ou pas. J'ai pas été voir. Hein. En même temps, j'ai reçu le courrier là hier. Donc, j'ai pas pris le temps d'aller vérifier tout ça. Si jamais vous en savez plus, ben, vous nous dites en barre d'infos. J'épinglerai le commentaire qui nous aidera le plus. Mais voilà. Bah, écoutez, on en sait déjà un petit peu plus. Après, c'est toujours pas très clair, leur truc. Là, c'est pour la Belgique. Hein, mais je pense que pour la France, ça sera pareil. Et voilà, je perds mes cheveux, c'est un truc de fou. Alors, j'ai passé ma soirée hier avec ça. Je me suis repassé la face toute la soirée. C'est tellement agréable. Donc là, j'ai mis un petit peu d'huile à l'intérieur de
la truc parce que quand j'appuyais un peu trop, ça cuinait. Alors c'était moins agréable du coup. Maintenant j'ai mis un peu d'huile, ça ne le fait plus. Mais j'ai passé ma journée à faire ça, ma soirée à faire ça hier devant mon feuilleton. J'arrive au bout. J'adore. Même Enzo hier, je faisais, il était. Puis en plus là, il est bien froid. Donc ça fait encore plus de bien. Donc on verra la différence. Parce que je vous ai posté sur Insta hier que j'étais en train de me repasser la face. Donc je l'ai reçu hier matin. Hier soir, je vous ai posté. Il y en a déjà qui m'ont demandé si on voyait des résultats. Il faut attendre les gens. Je ne vais pas voir les résultats en 10 minutes. Hein. Donc voilà. Mais c'est ici que j'aimerais vraiment bien voir. Et ici un peu. Et ici, vous voyez, j'ai la peau assez... Enfin, qui manque d'élasticité, quoi. Donc ça va être pour le double menton aussi. Alors attention, pas faire comme ça, ça accentue le double menton. Faut monter derrière les oreilles. Voilà. Je peux faire ça encore pendant 2 heures. Hein. Ça ne me dérangera pas. Et puis ici, descendre un peu ma ride. Parce que j'ai une petite ride ici. Bon, le front, ça ne change pas grand chose. C'est des rides d'expression. Donc. Mais voilà. Et je fais aussi au niveau du sourcil pour remonter et lifter mon sourcil. Ouais, je suis tarée, je sais. Bon, écoutez, je vais pas parpoter avec vous. Ça fait déjà 13 minutes que je parle. Oh, mais c'est pas possible, je sais pas me taire. Je vous reprends quand j'ai terminé le make-up, donc vous aurez un spoil. Et on attaque la colo pour mes petits yeux. Donc là, il est... Alors attendez, j'ai pas mes lunettes. 9h53, donc j'ai fini de me préparer pour aller filmer. Je vais y aller de ce pas. Mais juste, je viens de recevoir un colis de la part d'une abonnée, donc HK. Merci encore. Donc, quand j'ai fait la vidéo avec l'avocado toast, donc je la remets en barre d'infos, hein, j'avais dit que la blueberry muffin me tentait bien aussi, du coup, parce que j'avais beaucoup apprécié la qualité BH, que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé. Et elle m'a donc envoyé un message en me disant « Donne-moi ton adresse, je l'ai, je ne l'utilise pas, je te l'envoie. » Donc au départ, je ne voulais pas. Puis elle me dit « Allez, pas de chichi entre nous, donne-moi ton adresse et tout. » Donc elle m'a envoyé la Blueberry Muffin de chez BH Cosmetics. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de mettre mes petits doigts dedans, enfin, mes petits pinceaux. Elle ne l'a quasi pas utilisé. Hein. Elle a peut-être dû utiliser 2 fards, 3 fards. Et encore, c'est voir si ce n'est pas juste des swatchs. Hein. Donc voilà. Et elle m'a ajouté celle-ci en plus. Donc, toujours de chez BH, c'est la Sweeten in Switzerland. Switzerland. Et le packaging est très joli. Et regardez les teintes. Par contre, est-ce qu'on sait les plier? Oui. Voilà. Donc, il y a le petit orange là qui détrône tout, qui donne un coup de peps. Celui-là est beau, celui-là est beau, celui-ci c'est beau. Il y a un kaki. Donc voilà, HK, merci infiniment. Je trouve ça vraiment adorable. Ça me touche énormément quand vous faites ce genre de choses. Du coup, elle a hâte de voir ce que je vais en faire. Donc, je vais vous inclure les swatches et le make-up des deux la première semaine de juillet. Donc, on se retrouvera encore tous les jours cette semaine-là. Voilà, comme ça vous fera presque un mois où on se sera retrouvés tous les jours encore. Voilà, donc je vais faire ça la première semaine de juillet. Je vais inclure les deux swatches et make-up en plus des vidéos que j'avais prévues. Et il manquera une, donc on verra bien ce que je ferai. Voilà, ou au pire, il y aura une journée sur cette semaine-là, il n'y aura pas de vidéo. Mais on verra bien. Donc là, je vais mettre ma base et je vais aller quand même filmer les vidéos que je dois faire parce que faut que j'avance un peu. Voilà, j'espérais recevoir mes roses d'AliExpress. Hein. J'aimerais bien recevoir les 2 paquets qui me manquent d'AliExpress avant le premier pour être sûr. Il me manque les roses que je veux mettre en déco qui n'arrivent pas et ma pince... ma petite barrette couronne de Queen pour vous faire une vidéo spéciale Queen. Voilà. Oui, un délire total, mais délire, quoi. Je suis à fond dans ce délire avec vous et ça me fait trop triper. Bref, bon, allez, je vais attaquer parce que sinon, après, il y a encore la colo à faire et tout ça avant que j'aille à la sieste. Donc, faut que je me bouge la nouille, là. Ça urge. Alors, je vais peut-être vous remonter un ch'touille.
Voilà, on verra peut-être un peu mieux ce que je fais. C'est bon. Ouais. C'est bon. Donc il est 11h22. Je viens de finir de tourner ce make-up. Donc petit spoil de la vidéo de demain pour vous. C'est un des make-up avec la palette Nikita, Dragoon et Morphe. Bref, c'est pas le sujet. Donc là, on va s'attaquer. Non, c'est... Ah, ça, oui, oui, oui. Donc, c'est les Tones for Brunette de chez Révolution que j'avais eu dans le swap de la part de Amy. Donc, je vous mets le swap en barre d'infos. C'est des colorations temporaires, vegan et cruelty free. Il y a 150 ml à l'intérieur. Donc, je pense que j'aurais quand même besoin des deux. Je ne sais pas. Amy, elle en utilise deux, il me semble. Ah, le flash mitraille. Mais elle a une plus grosse longueur que moi et un peu plus de masse que moi. Donc, est-ce que j'essayerai d'abord avec la moitié de chacun ? C'est peut-être pas con-con. Donc, je vais déjà ouvrir ça. Alors, j'espère que ça coule facilement. Ah, ça sent bon. Donc, je mets ça dans mon petit pot. Vas-y, tu veux ? C'est sûr, pas. Mais gros, je te tiens, je t'ai même pas eu. Je suis pas assez voulu pour chaton, là. Ouais, la moitié, ça risque de faire peu. C'est un sacré bleu, hein. C'est du very blue, hein. Bon, je vais tout mettre. Vaut mieux en avoir de trop que pas assez. C'est pas évident comme conditionneur, comme conditionnement. Hein. Donc là, je suis en tenue pour faire mes colos. Hein. Ça sort pas facilement. Hein. On s'en fout partout. C'est dégueulasse. Il y en a partout. J'en ai déjà sur les mains. Amy, si tu as une astuce, je suis preneuse. Hein. Donc là, je racle le bord avec le cul du pinceau. Voilà, je crois que j'ai réussi à choper pas mal de produits. Il y en a absolument partout. Donc, je vais pas les mettre à les produits finis, hein. Je vais les mettre à la poubelle tout de suite. J'en ai déjà plein les mains. Oh non, j'en ai plein les ongles. Oh non. Caca. J'ai du journal hein, ici. Donc c'est la teinte Midnight Blue et Green Envy. Et je pense que les deux, ça va faire un petit mélange un peu turquoise. De toute façon, le vert et le bleu, c'est censé faire du turquoise. Mais ça sera assez foncé. Je vais peut-être pas mettre tout le vert. On va déjà mélanger avec ce que j'ai là, voir. Voilà. Donc, mélangeons tout ça. Tambouillons, tambouillons, tambouillons. Ça donne une jolie couleur un peu émeraude. On va voir ce que ça donne une fois appliqué, hein. Alors, ce que je vais faire, tant que je me prépare, je vais retourner les bouteilles pour essayer que ça retombe, pour essayer de récupérer encore un max de produits. Là, ce que je vais commencer à faire, c'est que je prends le Wonder Balm de chez Action, donc c'est un produit pour les mains, les ongles, les cuticules et tout ça, mais c'est assez gras, donc j'utilise ça. J'aime bien faire quand je suis déjà maquillée, comme ça, ça me fait une protection déjà pour pas me tâcher la peau. Et j'applique ça, le tour... de mes cheveux pour pas me tâcher la peau justement. Conseil de coiffeuse hein, qu'on m'avait donné. Vous pouvez utiliser de la vaseline, moi j'ai pas de vaseline, mais j'utilise ça, c'est totalement la même texture. Mais il faut pas toucher les cheveux. Ce qui est assez compliqué pour moi ici vu que j'en ai qui poussent vers le bas. Pourquoi il ne sait pas. Donc je vais enlever mes lunettes pour mettre ici. Et j'en mets aussi sur au-dessus de mes oreilles. Oh, je suis désolée, le chien gueule. Il y a quelqu'un qui est passé devant la porte. Et en plus, il y a des travaux devant, donc c'est chiant. Alors, je vais démêler un coup mes cheveux. J'ai deux élastiques, alors. C'est un peu emmêlé.
Ou bien un miroir juste là, hein, parce que je suis passée à l'aveugle quand même. Des épinettes encore. Je retrouve des épinettes plein mes cheveux en ce moment. Voilà, donc je vais essayer de récupérer le max de produits et je reviens pour l'application. Voilà, je mets mes petits gants de chirurgien. Je vais ranger mon dôme. Et on peut attaquer. Alors, je vais racler un peu le pinceau. Je sais que Amy, elle fait une séparation d'abord comme ça. Bon, on va prendre un arbre, hein, et qu'elle applique d'abord sur les racines ici. Donc, on va faire comme fait Amy. J'ai jamais fait au pinceau. Ça fait vraiment un vert un peu émeraude. On va voir ce que ça donne à la fin. Hein. Voilà, puis on va faire des séparations, mais assez larges, parce que j'ai vraiment peur de ne pas avoir assez de produits. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais fait au pinceau. Donc je ne sais pas du tout si ma technique d'application est plutôt bonne ou pas. Mais vous voyez, mes racines, c'est blanc. Hein. C'est blanc, c'est blanc. Et mes cheveux ont vachement éclairci, je trouve, mes cheveux naturels. Donc si vous entendez parler, c'est Georges, hein, qui joue sur la PS. Hein. Donc là, je vais les plaquer vers l'arrière déjà. Et après, je vais retenir un coup de pinceau comme ça vers l'arrière. Mes cheveux ne ressemblent plus à rien déjà. Après, j'ai vraiment la crainte de ne pas avoir assez de produits pour les longueurs. Mais bon, Amy en utilise deux. Donc, après, elle a déjà une couleur rose de base. Elle fait juste ça pour repigmenter un peu sa couleur. Moi, ils sont noirs, donc logiquement, ça fera que des petits reflets. Ce qui n'est pas plus mal en soi, hein, parce que j'ai pas forcément envie d'être toute verte non plus. Hein. Ça fait un beau petit émeraude, j'aime bien. La couleur, j'aime bien en tout cas. À l'application, du moins, on verra ce que ça donne après, mais pour l'instant, je trouve ça joli. Donc je tartine un peu au pif parce que je ne vois pas bien ce que je fais. Donc je suis vraiment désolée s'il y a des vraies coiffeuses qui me suivent. Enfin des coiffeuses tout simplement. J'espère que je ne vous irise pas le poil. Voilà, je vais en mettre un peu sur les racines derrière quand même, hein, pour pas que ça fasse des traces blanches. Là je vais absolument rien voir. Ok pour les racines. Enfin je crois. Hein. Écoutez, je vois pas bien ce que j'ai fait derrière. Mais... Donc là, je vais en reprendre et insister un peu plus ici, le tour du crâne. Là où j'ai le plus de cheveux blancs. Hein. Par contre, l'utilisation au pinceau, c'est quand même un peu plus précis, un peu plus facile, je trouve. Je n'avais jamais fait avant. Donc, je vais récupérer ce qu'il y a sur le pinceau avec mon gant. Ah, un jour qui se lève. Et je prends le reste, je fais comme Amy, hein, je prends avec mes doigts. Voilà. Alors, je ne vais pas en prendre trop d'un coup parce que là ça pue la catastrophe. Bonjour mon petit rayon de soleil. Pourquoi c'est vert? Parce que je suis en train de faire une colo verte. Par contre, j'ai même pas reçu les résultats du test, ça me fait peur. Tu l'as fait hier à midi, donc en toute logique, tu devrais l'avoir aujourd'hui sur le coup de midi. Bon, ça compte quand même si cher. Enzo, si t'as fait peur, ça veut dire que t'es négatif. Yo! De quoi? Si t'appelles pas, ça veut dire que t'es négatif. Normalement, ils envoient quand même. Oui, hein. Ils envoient, tu dois savoir. Oui, parce que Enzo a fait un test hier parce qu'il part en vacances demain. Je pars 2 semaines à Saint-Tropez. Voilà. Ouais. Je crois que je vous l'avais déjà dit, il part avec mon ancienne belle-sœur et mes neveux et nièces. Je vais faire la Java. Enfin, mes nièces et mon neveu. Donc, il faut aller à un test négatif. Donc là, il se tracasse un peu pour les résultats. Normalement, il devrait les avoir aujourd'hui, en espérant qu'ils soient bien négatifs. Hein. Là, j'ai demandé gentiment à Enzo s'il s'est vérifié dans ma nuque et essuyé avec un mouchoir, si jamais bah, ça avait pas. Ça va. Ça va. T'as 2-3 petites gouttes là, quoi, mais autrement, ça va. Bah, ah.
Bah oui, mais pas tes bonnes dents. Si tu sais me les enlever avec un mouchoir, ça serait gentil. Et je laisse poser ça 30 minutes. Je vais à la douche. J'attends que ça sèche un petit peu. Je vous montre le premier rendu avec les cheveux humides. Et je viendrai vous remontrer une fois que les cheveux seront secs. Voilà. Tu crois que je peux nettoyer les gants, là ? On va essayer. Tu sais couper le son et l'enregistrement téléphone et pareil ? Je coupe ou je mets pause ? Je peux couper. Alors, il est 13h, tout pile. Donc là, je suis en train de me faire des croque monsieur parce qu'il faut que je mange, j'ai faim. Donc on va, je sors de la douche. J'ai mis mon t-shirt Stitch et mes chaussettes Stitch. Voilà. Un peu trop petite. Oui, je suis petite. Elle était pas très souple. Alors, on voit déjà bien les racines en tout cas. Là, je vais juste les sortir de la serviette pour qu'ils s'aèrent un peu le temps de... Je vais jamais très longtemps emballer dans la serviette. Donc, voilà pour les reflets. C'est parti comme une sèche. Ça fait vachement noir quand même, mais on voit bien le vert ici. Hein. Oh merde, j'ai oublié d'enregistrer le son. Bon, ben, j'ai oublié d'enregistrer le son, donc au début, vous avez eu un petit peu de caca. De son caca. Mais c'est pas mal, hein. On va voir ce que ça donne une fois que ça sera sec. Hein. Mais ça, ça sera pour demain. Là, je vais juste mettre mon spray. Enfin, c'est pas vraiment démêlant, c'est la kératine. Voilà. On passe un peu. T'es obligé de faire du bruit en passant. Je vais me taper à ma compte, comme ma pote. Je démêle une première fois avec mes doigts. Et je vais mettre mon huile, donc c'est toujours celle de chez Credot, hein, que j'arrive au bout, hein, mais c'est pas le temps. Donc là, j'ai le fromage qui est en train de fondre dans mes croque-monsieur. Je sors. Ouais, tu peux. Donc, je mets ma petite huile. Donc, j'ai fait la même routine que d'habitude. Hein, regarde la fenêtre. Un spectateur. Shampoing, masque à la banane de chez Action, que j'ai terminé d'ailleurs. Et je les brosse. Donc voilà, mais là ils sont mouillés, hein, donc vous voyez pas grand chose en reflet. Mais on voit bien aux racines quand même. Hein. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois qu'ils seront secs. Mais pareil que vous, j'aurai la surprise que demain. Là je vais attendre qu'ils sèchent encore un petit peu. qu'ils sèchent encore un petit peu. Et... avant d'aller à la sieste, on va tester avant ou après, je sais pas, peut-être après, comme ça ils ont le temps de bien sécher quand même un peu. Ouais, quoique après il sera peut-être trop tard quand je vais me lever. Je sais pas, on va voir dans quel état ils seront, s'ils seront déjà à peu près secs ou pas avant que j'aille à la sieste. Et on testera de faire des boucles avec des chaussettes. Voilà, donc là je vais manger et je reviens. Soit avant, soit après. Donc, il est 13h37. Alors, je suis désolée, genre, si il veut pas se taire 5 minutes, là. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, c'est encore un peu mouillé, hein, mais on verra vraiment le rendu final demain. J'ai hâte de voir. Donc là, je vais faire mes petits pompons pour faire des boucles avec tes chaussettes. Donc, je vais d'abord mettre ça. Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup qui est coiffant, donc j'en mets pas trop. Hein. Je vais faire un côté puis l'autre. Je vais en mettre un peu ici aussi pour éviter les frisottis. Ça sent bon. Voilà. Oh, mes cheveux sont tout doux. Franchement, c'est super doux. La petite colo là, elle soigne en même temps les cheveux, j'ai l'impression. C'est vraiment un soin coloré en fait. Donc ça peut être pas mal. On verra vraiment, j'ai hâte d'être demain pour voir le rendu final. Mais voilà. Donc je prends une petite chaussette pile-pile toute mignonne qui vient de chez Shein. Et je vais. Normalement, j'aimerais bien l'accrocher avec une pince. Mais j'ai pas de pince. Donc je vais enrouler ma mèche autour du pied de la chaussette. On essaye de ne pas faire de plis. Et ensuite, je prends le dessous pour refermer comme ça.
Et on met un petit élastique pour que ça tienne. Donc je vais le mettre sur la chaussette, hein, pas à côté, ça sert à rien. Faire du tour. Et voilà. Et là, je vais ressembler à un cocker jusque demain. Pareil de l'autre côté. Moi, je fais des tresses en principe pour faire un espèce de weavy. Normalement, les boucles, je les fais avec un headband. Donc, j'enroule mes mèches autour des cheveux et. Autour d'un headband. Et puis, je les laisse poser pareil la nuit. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, il y en a qui le font avec 4 chaussettes hein, pour avoir des boucles un peu plus. Et puis, plus vous prenez des chaussettes fines, plus les boucles sont serrées. Moi, je veux vraiment quelque chose de léger, pas tout bouclé. Hein. Donc voilà, là, je vais avoir l'air très con. J'espère que ça va pas me gêner pour dormir. Non, ça va, je sais les mettre derrière. Voilà, ça fait un peu ouais, genre cocker. Ou une paire de couilles après les oreilles, je ne sais pas. Bref, donc écoutez, de toute façon, on voit ça demain, ce que ça donne. Pour vous, c'est tout de suite, pour moi, c'est demain. Alors... Il est 7h38, oui, il est très tôt, mais il faut que j'enlève ma paire de couilles, là, parce que ça va pas du tout, les chéris. On voyait un peu mon étagère, pour prendre en fond et en globe, mais comme je vais filmer juste après, j'aimerais bien régler. Voilà, donc, je vais enlever ma petite paire de couilles pour voir ce que ça donne. Reculer un peu comme ça vous voyez bien et la colo on verra après. Vous êtes prêts? Oh. Oh, ça sent bon. Bah, c'est joli. Voilà, ça fait vraiment un petit effet un peu bouclé dans le bas. Maintenant, il faudra que je réessaye avec des plus petites chaussettes. Parce que les pilou-pilou, déjà, c'est super lourd. Franchement, ça a été très chiant pour dormir. C'est super lourd sur la tête. C'est assez dérangeant, c'est trop gros. Donc, il faudrait que je réessaye avec des petites chaussettes ou avec des bas. Mais voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous le montrer de plus près et puis voir si vous voyez un peu les reflets verts dans les cheveux. On les voit bien en racines, hein, les reflets. Voilà, bah écoutez. C'est joli, sans plus, quoi. Il faut vraiment que je réessaye avec des... Vous voyez ici, ça a fait une cassure. Je suis pas convaincu. Voilà, quand je fais au headband, ça, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Donc là, je vais juste remettre un petit peu de spray pour élever les cheveux. Hein, essayer de leur donner une petite forme, quand même. La colo, il faudra vraiment qu'on voit au soleil, mais bon, vu le temps qu'il fait ici en Belgique, je peux pas trop vous montrer. Mais là, j'aime bien, ça fait des reflets verts, mais en fait, ça a pris que racine, hein, puisque j'ai les cheveux foncés. Et ça n'a pas couvert les cheveux blancs, puisque c'est pas prévu pour ça, donc... voilà, je verrai vraiment avec les reflets au soleil. Là, on ne voit pas trop, hein, ça fait vraiment noir. Par contre, ça a super bien traité mes cheveux, ils sont super doux. J'aime beaucoup le soin que ça apporte. Donc maintenant, peut-être que si au soleil, il y a des reflets, bien que comme je ne sors pas, c'est peut-être pas super intéressant. Je pourrais peut-être m'amuser à le refaire une fois de temps en temps, mais c'est pas un truc que je ferai régulièrement, comme Amy qui le fait régulièrement, elle. Moi, c'est pas du tout le cas, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, écoutez... On aura testé, je suis bien contente et j'ai quand même hâte de voir au soleil parce que les reflets ressortent plus au soleil. Mais comme je vous dis, moi j'ai une trace sur ma lunette. Moi je sors pas, donc c'est pas très intéressant pour moi d'avoir des reflets qu'on ne voit qu'à l'extérieur. Là j'aurais aimé que ça se voit un peu plus en vidéo du moins. Mais bon. Alors, pour clôturer ce vlog, hein, parce que je vais le clôturer ici, là je vais attendre l'appel d'Emmy. Je ferai mon teint avec elle. Il faut que je vous donne le planning vidéo. Et je crois que je n'avais rien d'autre de spécial à vous dire parce que le vlog est déjà hyper long. Vous savez, je monte au jour le jour en fait. Et on est déjà à 1h15
sur cette journée-ci. Donc, je vais fermer ma gueule et m'activer un peu. Alors, le planning vidéo de la semaine prochaine. Donc, on se retrouve encore tous les jours. Alors, il y a une palette 3 looks avec la Nikita Dragoon lundi. Mardi, les produits terminés. Si j'arrive à les tourner un jour, parce qu'il y a des travaux devant la porte. Mercredi, le Disney, qui ne sera pas un Disney Challenge avec les filles. Ce sera les Super Nanas. Voilà, je vous l'avais dit, c'était un délire. Je crois que je vous l'avais dit dans le dernier vlog. Jeudi, je vous dis pas parce que c'est encore un truc que ça m'a pris comme ça et je me suis dit il faut que je la fasse, mais je vous spoil pas. Vendredi, la FAQ avec Georges, samedi, le live et puis dimanche, le weekly vlog comme tous les dimanches. Donc le live à 20h. Hein. Voilà, bah écoutez. Dites-moi si vous avez déjà testé la technique de la chaussette. Est-ce que ça a donné sur vous? C'est pas moche, hein. Vraiment, ça boucle un peu le bas. Mais ouais, je réessayerai avec des plus fines chaussettes. On réessayera ça dans un autre vlog, je sais pas. Je sais pas quand, mais on réessayera. J'aime bien tester. Voilà, n'oubliez pas de répondre à toutes les questions que je vous ai posées tout au long du vlog. Hein. Surtout pour, si vous voulez, qu'on teste les cils, la permanente de cils et comparer les sourcils. Comme ça, je sais si je dois me préparer à commander le produit ou pas. Et voilà, donc écoutez, moi je vais vous laisser parce que le vlog va vraiment être très long. Je sais que vous aimez bien ça, donc c'est pas trop dérangeant, mais c'est un peu chiant. Et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette semaine avec moi vous a encore plu. De vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon toute la semaine prochaine en vidéo ensemble. Et en attendant, ben, je vous dis bisous bisous.